La maison de santé de Dialakoto, dans la région de Tambacounda, est le centre de santé qui rejoint une population de plus de 15 000 personnes réparties dans 67 petits villages. Le centre est très bien structuré au niveau administratif par les autorités locales, mais il y a une pénurie importante pour qu'il puisse remplir correctement sa mission. Action Sénégal a lancé divers projets visant à améliorer et à optimiser leur infrastructure. L'une des initiatives en cours, c'est que dans chacun de nos voyages, on leur amène des médicaments et des matériaux cliniques pour le centre. En avril 2010, l'association a rendu un véhicule pour transporter les malades et pour les besoins du dispensaire. Le don a été reçu avec grande joie par la population et toute l'équipe du centre, puisque auparavant, on n'avait pas les moyens pour transporter les malades et les cas les plus graves à l'hôpital régional de Tambacounda, situé à une distance de 45 km. Il y a quelques années, l'État a construit un bâtiment spécialement pour la maternité, qui se compose d'environ 100 mètres carrés avec 4 grandes salles pour répondre aux besoins des accouchements et les soins par la suite des mères et de ses bébés. En raison de la mauvaise construction et la mauvaise qualité des matériaux, le centre ne peut pas être utilisé depuis 3 ans puisque le toit n'a pas supporté la saison des pluies et les fuites ont provoqué la fissuration et, en conséquence, des humidités qui rendent la construction un foyer d'infection et non valable pour son utilisation. Dans notre nouveau projet, nous voulons procéder à la réparation de l'immeuble qui consiste principalement à retirer et remplacer le toit entièrement avec une nouvelle structure calculée correctement et avec des matériaux de bonne qualité. Remplacer toutes les portes intérieures en bois que maintenant sont complètement pourries à cause de l'humidité. Peindre toutes les salles à la fin des travaux structurels. Construire un chemin pavé avec un auvent pour joindre le bâtiment de la maternité avec celui du dispensaire. Nous confions à nouveau que tous nos collaborateurs, amis et sympathisants seront de notre côté pour, avec ses dons, recueillir les fonds nécessaires pour ce projet ambitieux.